Bonjour, c'est Cathy du Parc Explore Vindel de Petite Rosselle et je vais vous présenter le programme du mois de mai. Le programme du mois de mai sera marqué avec la Nuit des Musées, samedi 18 mai de 19h à minuit. Un programme riche et varié vous attend, puisque le Musée des Mineurs Vindel ainsi que la Mine Vindel seront proposés à la visite gratuitement dans la pénombre. Il faudra vous munir d'une lampe de poche, puisque tout ce parcours se fera complètement dans le noir. Vous verrez les machines d'une façon totalement différente. Dans le cadre du projet La Classe L'Œuvre, les établissements scolaires de Petite Rosselle, l'école des Mésanges et l'école Cousteau présenteront un projet artistique qui a été réalisé au cours d'une visite les semaines précédentes. Les œuvres artistiques seront présentées au fur et à mesure de la visite. Un livret-jeu sera également distribué à l'entrée du musée. Il y aura des énigmes, des livrets-jeux que vous pourrez découvrir au fur et à mesure du parcours. Les élèves ont également réalisé des podcasts que vous pourrez découvrir au fur et à mesure de la visite. Ils ont réinterprété ce que c'était qu'une salle des pendus, la lampisterie ou encore le charbon ou la famille de Vindel. Tendez bien l'oreille, c'est super sympa. Toujours encore à la Nuit des Musées, le film documentaire Gluck auf de Thomas Ramstein et de Tom Dahlem vous sera proposé lors de deux diffusions à 20h et 22h. Durant 46 minutes environ, on va vous présenter Guy Consolini, qui sera le fil conducteur de ce documentaire, qui vous présentera la mine, le travail des mineurs, mais aussi les chantiers du fond, puisque c'était un ancien mineur. La galerie L'Art dans le musée proposera aussi, durant la Nuit des Musées, mais également durant toute la période d'ouverture du musée, l'exposition Use In, qui a été prolongée jusqu'au 7 juillet, de l'artiste Robert Voirgard. Robert Voirgard est un artiste qui s'illustre grâce à des photographies industrielles de notre région. Robert Voirgard repixelise les photos qu'il a réalisées des sites industriels, et c'est ce travail que l'on vous propose dans la galerie L'Art dans le musée jusqu'au 7 juillet. Notre salon de thé, le café Café Clatch, vous attend également tous les jours de la semaine lorsque le musée est ouvert, c'est-à-dire du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Tout y est fait maison, de la tarte au fromage en passant par les tartes aux fruits, et une petite restauration sera proposée également à l'occasion de la Nuit des Musées. A bientôt au Parc Explore Vindel au mois de mai.